Tu n'échoues jamais. T'as quel problème qui devait reculer? Je suis un enfant. Papa est là, je me vois jouer. Bonjour à tous, je m'appelle Folique Raoul. Nous sommes au lycée Autecoin et on va parler de leurs résultats concernant le bac 1. On va voir comment les élèves du Togo travaillent, comment sont les résultats. On va demander l'avis des élèves, voir comment ils réagissent. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ciao. Je n'échoue jamais. C'est quel problème qu'il devait réguler? Ils ne vont jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je veux pas jouer. Bonjour. Ah oui, c'était aujourd'hui les résultats, j'espère. Oui, résultat du baccalauréat. Ah oui, t'es admis? Ah ouais, je suis admis, je suis admis. Quelle mention, s'il te plaît? Eh bien, en fait, je suis sorti par la grâce de Dieu, par mention admissible, quoi. T'es satisfait? Ben, on peut jamais dire que je ne suis pas satisfait, mais Dieu m'a donné ça, donc je dois l'accepter, je suis satisfait. Ok, c'est vrai? Je suis vraiment heureux, heureux. Quand même, on ne peut pas dire que je vais échouer, quand même. J'accepte quand même que je suis admis. Tu comptes faire quoi en terminale? Ben en fait, moi-même, je suis en A4, je voulais faire le droit, ben, si j'ai mon bac 2, je vais faire le droit au campus, quoi. Donc, je suis un peu chose, quoi. Ah, ok. Est-ce que tu vas aller raconter une matière étrangère en terminale? Ben, en fait, je ne sais pas du tout. Ben, pour le moment, on est là comme ça. Ben, avec les choses de les vacances, je vais voir si je peux au moins avoir les idées en tête, quoi. Ah, ok. Merci beaucoup. Okay. C'est quel problème qu'il devait réguler? Ils ne vont jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je vais pas réguler. Sa main est sur moi, sur moi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et comment étaient les résultats? Oh, c'était abordable, c'était très bien, c'était très bien. C'était très bien, ok. Ouais. Et bon, que sens-tu après la proclamation? Oui, après la proclamation, c'est joie infinie, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui m'anime, là, je ne sais pas comment l'exprimer, quoi. Parce que j'ai cherché l'examen, là, depuis des années. C'est la troisième fois que je passe l'examen, tu vois. Donc, du coup, je remercie le Saint-Esprit, Dieu qui m'a guidé durant toute l'année. Donc, du coup, je dois dire amen, quoi, amen. C'est à cause de lui. Avec mes efforts personnels aussi. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ok, tu fais qu'est-ce que déjà? Moi, je fais la 4. La 4. Et bon, après le résultat, qu'est-ce que tu sens d'aller faire en terminale? En terminale, bon, je vais me baser sur les trucs là, les matières de la terminale, les matières dominantes de la terminale. Bon, je vais mieux réviser dans les vacances, pour mieux aborder la rentrée. Oui, je parle de quelle matière? Bon, quelle matière tu... Si tu prépares à faire en terminale, bien quelle matière t'a poussé à bien travailler, bien, exemple la philosophie, que tu n'as jamais fait? Ouais, c'est ça la philosophie. Parce que de toute façon j'entends parler mes frères qui sont en terminale que bon, il y a certains qui disent c'est un peu difficile, il y a certains qui disent si tu apprends bien, bon, ça va aller. Donc du coup, je veux aussi goûter, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Les gens sont méchants, nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vécu, pour les chiffres étaient tu. Moi aussi je vais payer ma voiture, je sais qui je suis donc je me défie. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens. Bonjour. Yes. Comment ça va? Très bien. Quelle joie vous anime après la proclamation des résultats? Je suis très joyeux parce que j'ai beaucoup. Et j'avais attendu les résultats et ça m'a beaucoup plu. Ça t'a beaucoup plu. Bon, que souhaites-tu faire en terminale dans les matières? Quelle matière sera plus intéressante à toi? Oui, j'aime beaucoup faire l'anglais. Et la philo que tu n'as jamais fait, quand tu as parlé, c'est difficile, c'est facile. Comment vas-tu préparer pour la philosophie? Alors, je vais commencer maintenant, dès maintenant, pour y arriver à mieux faire la philosophie. Et quel sérieux faites-vous déjà? La
4. À 4. Oh, ok. Ok, bon. Bonne chance à ça. Félicitations. Merci, monsieur. Et mon affaire, c'était facile. Quand travailler, c'est mieux. Le succès, c'est mon sang. Besoin d'esprit, ma douche. Pour gagner les naissances. Allô, allô, le bonheur. Ni à blada, boula, t'as la tour. Ça veut dire pourquoi de boula, tu vas pas chez les jaloux aussi. Merci. Je ne les joue jamais. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ok, tu peux me dire la joie qui t'anime après la programmation des résultats? Cette joie-là, c'est trop fort. Je peux même pas le dire. Hier nuit, je n'ai même pas pu dormir. Donc, après l'avoir vu ton nom, tu étais tellement content. Je suis trop content, trop excité, mais il y a certains de mes amis qui n'ont pas pu avoir leur bac. Ça fait que là où je suis, la joie n'est pas totale. Oui. Ok, tu fais essayer déjà. La série D. La série D, oh, félicitations. Ok, bon, que souhaites-tu faire, en terminale? En terminale, ma matière préférée, c'est la physique. La physique, on ne veut parler de la physique sans la mathématique, donc tu veux les deux ça? Oui, les deux en même temps, avec l'SVT. Ok. Comment prépares-tu la philosophie que tu n'as jamais fait? J'attends parler de ça chaque fois, mais je n'ai jamais fait ça. En vacances, je vais prendre mon temps pour lire les cahiers de ma grande sœur pour avoir une vue sur ce qui va m'arriver en terminale. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Toi qui a passé le pourratoire, n'oublie pas d'exprimer ta joie en commentaire, partage, liker et commenter. Et bonne chance à tous ceux qui iront au bac lundi. On se dit à la prochaine. J'ai deux dans ma vie, je crois que je ne serai jamais dernier. Dieu ne joue jamais. C'est quel problème qui devait réguler? Il ne ment jamais.